près 1,50 m de tuyaux en laiton, principalement laiton, puis il est recouvert après soit argenté, soit comment dire, verni. Mais le grand secret, en fait, c'est l'embouchure. Parce que tout part de là. Avec la lèvre, on fait des vibrations. Ces vibrations sont transformées par l'instrument en sonorité. Une fois que ce principe de vibration d'embouchure est acquis, après, en général, c'est la mécanique, c'est les doigts, ça s'apprend très facilement. La trompette de poche, ou la trompinette, donc vous voyez, c'est toute la tuyauterie, si je veux dire ça ainsi, ramassée pour les petites mains. Et ça sonne pas mal du tout non plus, puis c'est surtout confortable pour les débutants. Ça sonne très très bien aussi. Alors après, ils ont même encore tourné mieux. Ils ont fait des instruments en résine. Espèce de plastique. Tout est en plastique dans tout. Voilà. Alors ça, c'est plus que léger. C'est très très léger. Là, on offre la possibilité avec le musique de faire des découvertes instrumentales comme ça toute l'année. Donc on a 6 instruments en résine comme ça, il y a la trompette, le trombone, la flûte, la clarinette, le saxophone en résine. Et c'est des périodes de 5, 6, 7 semaines. Et ça permet de découvrir l'instrument et puis de faire un choix. Bien.